Au cœur de l'Afrique, en pleine zone équatoriale, vivent des peuples oubliés qu'on a du mal à imaginer. C'est à une plongée étourdissante que nous nous apprêtons. Philippe Frey, ethnologue et aventurier, tentera d'atteindre, le long du fleuve Omo, des tribus qu'on croyait perdues. Mais il faudra pour cela déjouer les pièges d'une nature vierge et hostile. Philippe Frey a pourtant déjà parcouru les plus grands déserts de la planète, seul, en survie totale. Son but, comprendre comment l'homme peut s'adapter aux pires environnements possibles. L'Afrique, c'est son jardin. Philippe y a passé la moitié de sa vie. Pourtant, c'est dans un enfer, vert cette fois, qu'il nous entraîne. Sur ses traces, c'est tout un écheveau d'hommes et de femmes incroyables qui va se dévoiler. Pour peu que les crocodiles, les serpents et les hippopotames veuillent bien laisser passer l'expédition. Or, les frondaisons des berges de l'Omo sont quasi inconnues. Ce fleuve va se perdre aux confins du Soudan, du Kenya et de l'Ouganda. Les guerres tribales font rage. Des torrents de boue entravent les pistes. Et la grande jungle équatoriale frémit de mille bruits. L'expédition ne sera guère aisée. Mais c'est le prix à payer pour découvrir ces hommes qui subsistent à l'écart de toute civilisation, reclus dans leur vallée, comme à l'âge de pierre. Cette fois, c'est une des parties les plus isolées et les plus reculées d'Afrique que Philippe Frey s'apprête à explorer, la vallée de l'Omo. C'est dans cette vallée perdue que vivent des peuples que personne ne s'attend plus à trouver. Mais il faut y parvenir. Cette vallée secrète, cachée dans le rift, est à 1000 km de la capitale, aux limites du Kenya et du Soudan, par-delà la brousse équatoriale. Au détour de la piste apparaissent encore les derniers sédentaires. C'est une tribu qui s'appelle les Dorzés. C'est l'occasion de compléter quelques provisions. Mais dès demain, devraient apparaître les premiers peuples totalement libres de l'Omo. L'Omo est un fleuve qui serpente dans un des derniers espaces inviolés d'Afrique. Sur ses rives, des deux bords, vivent des populations qu'on croirait hors du temps. Le problème, c'est que les affrontements ethniques sont une réalité, sans parler de la nature elle-même. La mouche tsetse subsiste dans des forêts-galeries. La malaria est courante, mais Philippe a la malaria depuis 30 ans.
L'Afrique s'éveille. Philippe aime s'abandonner à ce continent, à même le sol. Il sent la nature vivre et vibrer contre lui. Et enfin, au détour de la piste, un matin, apparaissent les premiers nilotiques. C'est une tribu qui s'appelle les Amers. C'est un peuple pastoral qui nomadise avec ses zébus au gré des pâturages. C'est là que l'expédition retrouve Marcus, notre ami de l'Homo. L'année précédente, Marcus a soigné Philippe traditionnellement, trois côtes brisées, avec de la graisse de zébu chaude. C'était les suites d'une chute de moto. Ensemble, ils parcourront le cours de l'Homo pour dénicher les tribus les plus isolées, qui s'étalent comme un chapelet le long de ce cours d'eau. Les Amers sont un peuple de nomades, donc les femmes restent toujours à peu près sédentaires, avec les chèvres qu'on entend là, et les hommes sont avec les zébus beaucoup plus loin. Donc ce sont les premiers peuples nilotiques quand on descend dans la vallée de l'Homo, où nous sommes. Donc ils ont quelques céréales qu'ils produisent, mais ils sont surtout tributaires de leurs troupeaux qui sont parfois très très grands, donc des centaines parfois de têtes de bétail, surtout des zébus, des vaches, qui protègent d'ailleurs avec des armes ou avec des bâtons comme ça. Ils sont pacifiques en principe, mais il y a des ennemis partout. En particulier les Murcis sont des ennemis traditionnels des Amers. Et la vie des Amers est une vie complètement pastorale, très calme en principe. Hein. Donc on vit calmement avec le bétail. D'ailleurs, de toutes les tribus nilotiques, les Amers sont certainement les plus pacifiques, les plus agréables, les plus sympathiques. Ils ont des céréales, ils ont du lait, ils ont tout ce qu'il leur faut, de la viande. Donc finalement, ils vivent à l'écart de tout. Ils vivent tous à leur façon traditionnelle depuis des milliers d'années. Et les Amers en particulier sont au bout du bout du bout du bout de la terre connue. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, on est à cheval entre le sud de l'Éthiopie et le Kenya. Le Kenya est à 40 km en vol d'oiseau seulement derrière ces montagnes. Et ils n'ont jamais été vraiment rattachés à l'Éthiopie. Hein. C'est-à-dire les Amers ne faisaient pas partie de l'Éthiopie. Ils étaient là entre les ex-colonies anglaises et ce qui était l'Éthiopie des plateaux. Donc c'est un peuple complètement préservé, intact, qui n'a pas eu de contact avec personne et qui vit comme il y a 5000 ans. C'est ça qui est extraordinaire chez eux. Nos hôtes nous confient qu'une cérémonie exceptionnelle aura lieu à la prochaine lune noire. Aurons-nous le temps de nous y rendre? Car l'expédition est encore longue et aventureuse. Vous allez où? Non, pas là-bas. Il n'y a pas de contact entre les Amers et les Tchaka. Il y a déjà le fleuve qui sépare, mais surtout c'est deux peuples traditionnellement ennemis qui s'affrontaient par le passé, mais qui n'ont pas de contact, aucun contact. En fait, de toutes les tribus de l'Homo, aucune n'a de contact avec l'autre. Et lui, il n'ira jamais plus loin.
le lac Turkana, au Kenya, marque la fin de l'Homo, puisque ce fleuve s'y jette dans un marais inextricable. Les roseaux cachent parfois les plus gros crocodiles du monde. Malheureusement, il faudra bien dormir sur les berges du lac et du fleuve, car il n'y a pas d'autre endroit disponible. Dangereux voisinage nocturne, surtout sans tente. Des pélicans, des aigles pêcheurs, des palmidés sont les témoins d'une nature vierge. Mais attention aux hippopotames, responsables de la moitié des accidents mortels d'Afrique dus aux animaux. Lorsqu'on quitte le lac Turkana, la vraie expédition débute, le long de l'Homo qu'on remontera. Les nomades d'Assanej apparaissent. C'est notre nouvelle tribu. C'est avec un misérable tronc d'arbre équarri qu'ils transitent hommes et bêtes sur les deux rives, et qu'ils remontent même le cours du fleuve. Vide, le bas-cours de l'Homo ne l'est pas. Des villages d'Assanej apparaissent çà et là. Les habitants y vivent de pêche, les troupeaux étant menés plus loin à cause des pandémies et des crocodiles. Et les berges sont plantées de sorgho, de maïs et de tabac. Les locaux sont aussi curieux de notre visite que nous le sommes. Ils vivent en communauté et tout le monde se salue à la façon d'Assanej. Leurs huttes paraissent rudimentaires. Mais peut-être n'en faut-il pas plus pour être heureux. Hommes et femmes sont parés de bijoux multicolores. Mon oreille m'a dit que tu allais venir. Je l'ai dit aux autres, je l'ai dit à tout le village, je leur ai dit. Je sentis que quelqu'un allait arriver de loin. J'ai entendu la pirogue, les rames. Et c'est la première fois, je vais te dire, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme toi et c'est pour ça que je suis tout excité. Et je vais te dire, tu es la bienvenue chez nous. Tu peux rester tant que tu veux. Je suis sûr que tu as plein d'histoires à nous raconter, plein de choses à nous dire. Tu restes avec nous. Malgré la bonne humeur ambiante, des clashs entre tribus peuvent survenir à tout moment, souvent dus à des vols de zébus. Des villages entiers sont parfois décimés. Mais il faudra bien parcourir en pirogue le no man's land qui les sépare. Au prochain méandre de l'Homo, il y a des dizaines de crocodiles qui mangent tout ce qui s'approche, y compris les humains. Il y a des crocodiles sur ce fleuve par milliers. C'est pratiquement un des endroits du monde où il y en a le plus. Et ils sont en plus très agressifs, les crocodiles de l'Homo. Ils peuvent facilement manger quelqu'un. Hein. Donc c'est une nature, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas hostile, elle est hostile. On est au fin fond de l'Afrique sauvage. Rudesse animale. À chaque méandre, le mystère s'épaissit. La jungle se referme sur Philippe, oppressante.
des milliers de crocodiles filent le long de la coque de bois nu. Mais plaisir de passer un nouveau soir au cœur de l'Afrique profonde, auprès de ces peuples autochtones, préservés de tout. Venez, restez là! Ici, on se trouve au bord du fleuve Omo. Bon, c'est pas tellement un très grand fleuve, mais en tout cas, il est puissant. Mais surtout, autour de ce fleuve, vivent les populations pratiquement les plus incroyables de la Terre. Les Dasanej, ici, on est encore chez les Dasanej. Les Dasanej, ce sont des nilotiques qui vivent du fleuve, donc un peu de pêche, de culture de sorgho derrière nous, donc au bord des villages. Et puis ils ont des troupeaux de zébus également. Ils sont originaires du Kenya, qui est le Kenya, qui n'est qu'à un jour de marche d'ici. Hein. Et puis le Soudan, par contre, il est encore plus près, il est peut-être à 15 km d'ici seulement. Donc on est vraiment au bout de l'Afrique pour étudier ces populations qui sont vraiment incroyables. Et ils existent finalement à une époque où on a des gratte-ciel, on circule en voiture, en TGV, tout ce que vous voulez, mais au même moment, des gens vivent encore comme à l'époque de la pierre taillée. Effectivement, après les Amer, après les Mursi, après les Tchaka, en fait, on verra toutes les tribus de l'Omo, voilà. Y compris celles que même les ethnologues ne connaissent pas. Moi, je peux vous trouver des ethnologues qui ont fréquenté l'Éthiopie pendant des années et qui ignorent, par exemple, cette tribu des Tchaka, qui sont incroyables, quoi, qui ne peuvent pas plier le genou, toute la famille marche avec les jambes raides. On va voir ça, c'est quand même phénoménal. Combien de jours tu as marché? Combien de nuits tu as passé? Combien de lunes tu as vues pour venir à nous? Accepte cette offrande. Bon, on a encore tellement de choses à voir en Éthiopie tout le long de ce fleuve Omo, où on est pour plusieurs semaines d'exploration, de recherche. Donc effectivement, c'est toute une mosaïque de tribus qu'on ne fait que commencer à voir, mais qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Donc après les Tchaka, on va essayer d'aller voir les Mursi, donc les femmes plateaux, parmi les seules du monde, hein, qui sont un peu agressifs, alors on va voir si on va prendre des gardes armés ou pas. Philippe Frey compte rejoindre un village de Tchaka. Les Tchaka sont un peuple mystérieux qui ôte la rotule à chaque membre de la tribu. Personne ne peut donc plier le genou, ce qui n'entrave pas leur agilité surprenante. Mais le chef d'un village Dasanej le poursuit dans la jungle pour l'informer d'un drame. Philippe décide de repérer des traces seul, en éclaireur. C'est qu'il y a des conflits armés entre les Dasanej et les Nyangatom, donc les deux tribus d'ici. Ils se battent à l'arme automatique et à même pas une heure de marche par ici, tout un village a été massacré à l'arme automatique. Et donc malheureusement, on ne peut pas passer. C'est dommage parce qu'apparemment, on est à une heure ou deux heures de marche des Tchaka, mais ce n'est pas possible. Il faut contourner la zone de conflit par le fleuve. Les méandres de l'Omo peuvent dissimuler des bandes armées. Mais personne ne peut finalement longer les berges de trop près à cause des crocodiles.
La zone de conflit est enfin contournée. Le danger est donc provisoirement écarté. Mais c'est pour faire face à la tribu des Murci. Or, les Murci sont connus pour leur agressivité. Plusieurs clans subsistent, les Homo Murci et surtout les Anna Murci. Ce sont eux les plus isolés et les plus inaccessibles. Mais tous défendent en fait fièrement leur indépendance. J'ai jamais vu une personne comme ça près de chez nous. Oui, il doit venir de loin. Il doit sûrement venir du Soudan. Leur seule concession à la modernité, des kalachnikovs. Tous en sont armés, même les femmes. Mais c'est pour garder les troupeaux. On est chez les Murci, donc les fameuses femmes plateaux de la vallée de Lomo. Et toutes ont le plateau, pratiquement toutes. Donc ça devient de plus en plus gros, elles mettent de plus en plus gros. Et puis finalement la lèvre s'étire. Et elles sont même armées de kalachnikovs. Il parle de vos lèvres là. Il n'y a pas ça dans son pays là-bas. C'est des gens bizarres ces gens-là. Bonne route, bon voyage. Personne ne connaît plus le haut cours de l'Omo. Ses méandres courent paresseusement dans la forêt équatoriale, de plus en plus épaisse. La nuit, les singes hurlent. L'Afrique se referme, inaccessible et secrète. Difficile à croire, mais avoir pu vivre avec ces peuples stupéfiants et hors du commun est un réel plaisir. C'est d'ailleurs en même temps une drogue et une fascination. Chaque visage rencontré est gravé dans nos mémoires. Ce sont ces rencontres, souvent les plus improbables peut-être, qui rendent finalement la Terre plus petite et plus humaine. Plusieurs semaines que l'expédition a lâché ses amarres. Et la tribu des Amers est